Je vous propose de travailler 9 plans blues complètement adaptés aux grands débutants. Dans ces plans, nous retrouverons des blue notes, de la technique et de la rythmique, mais tout est adapté pour permettre aux plus débutants d'entre vous de suivre le cours. Si vous débutez la guitare, ou tout simplement si jouer des solos est un peu laborieux pour vous, vous serez guidé pas à pas dans ce cours. Le cours sera divisé en 3 parties. Dans la première partie, je veux vous partager une méthode que j'ai mise au point pour vous permettre d'élever la qualité de votre jeu, malgré que je ne sois pas présent en direct avec vous. Vous allez voir, c'est terriblement efficace. Dans la seconde partie, nous verrons les exercices 1 à 4 qui sont vraiment adaptés aux plus débutants d'entre vous. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons les exercices 4 à 9 qui montent d'un niveau en termes de difficulté, mais rassurez-vous, je vous accompagne étape par étape. Alors, juste avant d'attaquer notre cours, gardez en tête que jouer du blues n'est pas uniquement jouer de la pentatonique mineure. Si vous vous sentez prêt à vous engager dans un véritable apprentissage à mes côtés, je vous invite à découvrir mon programme Blues en Liberté qui vous guidera à travers les étapes d'apprentissage de l'improvisation blues. Blues en Liberté contient 10 modules, plus de 120 leçons, entièrement en vidéo, avec des tablatures interactives et des ressources exclusives que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Dans les 10 modules pédagogiques qui vous attendent, vous trouverez des modules qui se focalisent sur les bases, sur la théorie, sur la rythmique et bien sûr, la grande valeur ajoutée de ce programme, le module La Méthode des Pros qui vous offre des sessions clés en main. Vous vous installez avec votre guitare, vous lancez une session et vous vous laissez guider par le cours sans l'interrompre. C'est clé en main, efficace et vous êtes sûr de faire de réels progrès solides dans votre jeu. Pour terminer, ce programme reçoit des mises à jour régulières pour constamment améliorer le contenu. Bref, si vous souhaitez progresser sérieusement dans le blues rock, ce programme est fait pour vous. Abordons la première partie concernant la qualité de l'entraînement. Sachez que l'importance de la régularité dans votre pratique ne peut être sous-estimée. Comme pour toute compétence, la guitare demande du temps et de la patience. Il n'est pas nécessaire de passer des heures chaque jour, mais quelques minutes de pratique régulière et qualitative peuvent faire une énorme différence. Par contre, je le redis, y passer du temps pour y passer du temps, ce n'est pas le top. Vous devez prendre conscience de votre jeu. C'est le point qui pose souci aux personnes qui apprennent seules. Quand je parle de prendre conscience de son jeu, ça signifie de bien prendre le temps de vous demander si votre jeu est bien exécuté. Il faut avoir le souci du détail, bien s'écouter et bien observer ce que l'on joue. Vous pouvez par exemple vous filmer pour vous écouter et vous auto-analyser. Ce n'est qu'un exemple. Vous savez, à défaut d'être en direct avec vous, j'ai mis au point une méthode pour que vous puissiez savoir si vous êtes précis dans votre jeu. Cette méthode est simple, pendant l'étude des plans, je vais de temps en temps m'interrompre et vous poser une question sur votre jeu. Si la réponse est « je ne crois pas » ou « je ne sais pas », alors c'est perdu, c'est que vous n'êtes pas suffisamment attentif à ce que vous faites. Allez, démarrons notre premier cours. 1, 2, 3, 4 et... Ici, nous jouons uniquement des notes de la gamme pentatonique mineure de La. Dans la première mesure, sur la toute première note, nous avons un bend de 1 ton sur le 8. C'est la petite flèche montante qui me l'indique. Pour ceux qui ignorent comment bien exécuter le bend, c'est très simple. À partir du moment où nous avons une flèche avec un 1 au bout, cela signifie que nous allons devoir gratter la case 8 et nous allons devoir faire entendre la note située 2 cases plus loin sur la même corde. Pourquoi la case 10 ? Parce qu'en guitare, une case égale un demi-ton et qu'ici la flèche indique un ton, soit 2 demi-tons. Donc à partir de mon 8, je dois faire entendre la note située 2 demi-tons plus loin, soit 2 cases plus loin. Pour ça, je vais venir pousser ma corde. Je rajuste si besoin. Pour bien exécuter la technique, je vais placer mon annulaire sur la case 8. Je mets toujours un doigt supplémentaire sur la case précédente dans le but d'avoir suffisamment d'appui. Attention, ne négligez pas ce point, il vous faut au minimum 2 doigts pour faire un joli bend bien maîtrisé. Et enfin, j'empoigne bien le manche, puis j'y vais.
Pour savoir si je pousse suffisamment le bend, il n'y a aucun repère visuel, il faut se fier à son oreille. Donc l'astuce est de faire sonner la case 10 et ensuite d'exécuter le bend pour s'assurer qu'il sonne correctement. Le bend est la principale difficulté de ce premier plan. Pour le reste de la mesure, j'alterne entre mon annulaire et mon index en jouant une note par temps. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pour la mesure 2, j'ai 4 notes jouées en croche. Cela signifie que je vais jouer sur les temps, mais également sur les demi-temps. Ce sont les « et » que je prononce quand je compte ma mesure. 3, 4 et 1 et 2 et 3. Vous voyez que je joue mes notes sur le 1, le « et » du 1, le 2, le « et » du 2 et le 3. 1 et 2 et 3. Vous constaterez que je joue des allers-retours. Sur les temps, je joue en coup vers le bas et sur les « et », je joue en coup vers le haut. 3, 4, 1 et 2 et 3. Préparez-vous, nous allons faire l'exercice ensemble. Je vais faire un décompte, c'est-à-dire que je vais compter 1, 2, 3, 4 et 1 tout seul. Nous commencerons à jouer sur le temps 1 qui suit. Nous allons faire 3 répétitions et concentrez-vous bien parce qu'à la 3ème répétition, il va se passer quelque chose. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4 et... Nous allons faire une deuxième répétition. 1, 2, 3, 4 et... Attaquons maintenant la troisième répétition. 1, 2, 3, 4 et... Ok, stop, on s'arrête. Est-ce que votre troisième temps, votre troisième note, est-ce qu'elle est bien tombée pile poil sur le clic? Est-ce que vous êtes tombé juste avant? Est-ce que vous êtes tombé juste après? Si la réponse est oui, alors c'est réussi. Si la réponse est je crois ou je n'ai pas fait attention, alors reculez la vidéo pour revenir à la première répétition et entraînez-vous de nouveau. Quand vous arriverez de nouveau à cette troisième répétition et que je vous poserai cette question, votre réponse doit être un oui affirmatif. Si c'est ok pour vous, passons maintenant à l'exercice numéro 2. 1, 2, 3, 4 et... Ici, nous allons avoir deux techniques de jeu en legato dont je reconnais l'écriture grâce à la sorte de parenthèse qui chapeaute les notes concernées. Le principe du pull-off est simple et complexe à la fois, surtout pour les débutants. Vous devez positionner votre index et votre annulaire en même temps comme ceci. Mes deux doigts sont positionnés en même temps. Ensuite, une fois avoir gratté la case 8, vous allez tirer la corde avec l'annulaire de telle sorte que ça fasse clairement sonner la case 5. Assurez-vous que les deux notes sonnent avec la même intensité. Une fois bien exécuté, nous referons la même chose sur le temps 3 et 4 de la mesure. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pour la deuxième mesure, nous allons gratter la case 8 avec l'annulaire, puis le slider vers la case 7. C'est ce que nous appelons un slide. Je le reconnais parce que non seulement j'ai la liaison qui chapeaute les notes, mais en plus j'ai cette mini barre transversale entre les deux notes concernées. Et encore une fois, regardez comme les deux notes ont la même intensité. Une fois exécuté, je vais enchaîner avec mon pull-off entre mon 7 et mon 5. La difficulté ici est de réussir à enchaîner les trois notes avec la même intensité. Enfin,
Je termine ma deuxième mesure sur le 7, qui est une note de La. Cette note de La est la tonique, puisqu'il s'agit de la note principale de la tonalité. D'ailleurs, tous les exercices de ce cours, sauf 2, termineront sur la tonique. Et si vous avez des lacunes sur l'aspect théorique, on reviendra dessus à la fin de cette vidéo. Maintenant, préparez-vous, nous allons jouer ensemble 3 répétitions. Avec une question sur la troisième répétition. Comme pour l'exercice 1, je vais mettre un métronome à 60 battements par minute, je fais une mesure de décompte, et on démarre ensemble au temps 1 de la mesure qui suit. Prêt ? 1, 2, 3, 4 et... On va y retourner. 1, 2, 3, 4 et... Nous allons arriver à la troisième répétition. 1, 2, 3, 4 et... Top ! On s'arrête. Et dites-moi tout de suite si vous êtes bien tombé sur le clic du temps 4. Si la réponse est oui, c'est nickel. Si c'est je crois ou je ne suis pas sûr, alors c'est perdu. À ce moment, vous revenez une minute en arrière dans la vidéo et vous recommencez les 3 répétitions. 1, 2, 3, 4 et... Ici, nous allons combiner le bend et le pull-off. Les règles sont les mêmes que les 2 précédents exercices. Seule subtilité, la première note qui est un bend de 1 ton sur la case 8 va durer 2 temps. 3, 4 et 1, 2, 3. Et je vais m'assurer de bien respecter la rythmique sur la suite de l'exercice. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Préparez-vous pour jouer ensemble. Je mets un métronome à 60 battements par minute, je fais ma mesure de décompte et on démarre ensemble au temps 1 de la mesure qui suit. Et je vous poserai une question sur la troisième répétition. Prêt ? 1, 2, 3, 4 et... Deuxième répétition. 2, 3, 4 et... Troisième répétition, préparez-vous. 1, 2, 3, 4 et... On s'arrête. Est-ce que vous êtes bien tombé sur le temps numéro 1 de la deuxième mesure ? Le clic, vous avez dû remarquer qu'il est plus aigu à ce moment-là. Si c'est OK, on avance. Et si vous avez un doute, eh bien vous connaissez la chanson, vous revenez une petite minute en arrière et vous refaites les 3 répétitions. 1, 2, 3, 4. Ici, nous constatons qu'il n'y a pas de phrasé. Nous descendons la gamme pentatonique avant de la remonter. Nous avons uniquement des croches. Cela signifie que nous allons alterner de façon continue les allées et retours. Voici un exemple sur la première mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Soyez attentif à la blue note qui est située à la case 8 de la corde de sol. Sa présence signifie que nous allons jouer 3 notes sur la même corde. Pour ma part, je joue le 8 et le 7 avec l'annulaire avant d'atterrir sur le 5 avec l'index. Les croches ne sont pas jouées de façon linéaire, mais elles sont jouées en shuffle, c'est-à-dire que je vais créer un balancement. Au lieu d'avoir 1 et 2, je vais avoir 1 et 2. C'est l'une des particularités du jeu blues. Je vous joue l'exercice en entier en prenant bien en compte le shuffle. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2
et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Préparez-vous pour jouer ensemble. Je mets le métronome à 60 battements par minute. Je vous joue 3 répétitions avec ma petite question surprise sur la 3ème répétition. Êtes-vous prêts ? 1, 2, 3, 4 et... Deuxième répétition, 2, 3, 4 et... Nous allons faire la 3ème répétition, préparez-vous. 2, 3, 4 et... On s'arrête. Est-ce que vous êtes bien tombé sur le clic sur le temps numéro 2 ? Si vous êtes tombé juste avant ou juste après ou si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas bon. Je vous laisse recommencer l'exercice. Si c'est ok pour vous, on passe à l'exercice numéro 5. 1, 2, 3, 4 et... Ici, nous passons aux choses sérieuses. D'un côté, nous retrouvons du phrasé dans notre jeu, mais en plus, nous combinons cela à des variations rythmiques un peu plus complexes. Nous retrouvons des pull-off dans la mesure numéro 1 dans le cadre d'un motif qui se répète. Ensuite, dans la deuxième mesure, nous allons faire un bend de 1 ton sur le temps 1. Donc n'oubliez pas, pensez à la justesse du bend en vous appuyant sur la note située un ton au-dessus. Puis j'enchaîne avec les notes de gamme. J'attire votre attention sur le mouvement du temps 3 et 4. Nous avons deux notes sur la même case qui s'enchaînent. Pour les exécuter correctement, j'utilise mon index. Et vu la vitesse à laquelle nous jouons, je vous invite à déplacer l'index d'une corde à l'autre sans faire de barré. Pour la toute dernière note, j'ai un vibrato. C'est la petite vague indiquée au-dessus de la note. Pour l'exécuter correctement, essayez de tordre légèrement votre note en cherchant à faire des mini-bends. Vous pouvez essayer de caler la première phalange de votre index contre le manche pour prendre appui. Ainsi, ce n'est plus un mouvement de l'annulaire qui génère le vibrato, mais bien un mouvement du poignet. Préparez-vous, nous allons jouer ensemble. Je mets mon métronome à 60 BPM. Répétition numéro 1, 2, 3, 4 et... Répétition numéro 2, 3, 4 et... Répétition numéro 3, préparez-vous bien, concentrez-vous, 1, 2, 3, 4, et... Ok, êtes-vous bien tombé sur le temps 2 de la mesure 2 sur le clic du métronome ? Si c'est ok, on avance, sinon vous revenez en arrière. 1, 2, 3, 4, et... Ce sixième exercice inclut une nouvelle technique ainsi qu'une nouvelle blue note. La nouvelle technique en question est le hammer. Encore une fois, nous reconnaissons l'écriture grâce à cette liaison qui chapeaute le 5 et le 8. Vous aurez remarqué que le hammer-on et le pull-off s'écrivent de la même façon. On peut alors se demander comment faire pour savoir de quelle technique il s'agit. La réponse est très simple et logique. Si c'est un mouvement ascendant, alors c'est un hammer. Si c'est un mouvement descendant, c'est un pull-off. Le hammer
va de la case 5 à la case 8. Et à l'inverse, si je voulais faire case 8 à case 5, je suis dans l'obligation d'exécuter un pull-off. Le hammer est beaucoup plus simple à exécuter que le pull-off. Le but du jeu est assez accessible. Dans notre exemple, il suffit de gratter la case 5 de la deuxième corde comme indiqué sur la première note. Et ensuite, je vais venir marteler avec mon annulaire sur la case numéro 8 de cette façon. Il faut réussir à générer un petit impact puisqu'encore une fois, le but est d'avoir une note à la même intensité que celle grattée. Dans la suite de l'exercice, j'ai juste à rejouer le même mouvement sur la corde de Mi. Et toute la première mesure alterne entre ces deux cordes avec le même mouvement. Dans la deuxième mesure, nous démarrons avec un bend d'un demi-ton sur la case 7 de la corde de Si. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi mon programme Blues en Liberté où j'explique tout en détail, sachez qu'il s'agit ici d'une blue note. Attention à ne pas trop pousser le bend, il s'agit d'un demi-ton. Ensuite, nous allons enchaîner un hammer-on et un pull-off entre le 5 et le 8 comme ceci. Encore une fois, je fais attention à bien conserver la même intensité entre ces trois notes. Je termine mon plan de nouveau sur la blue note en case 7 pour atterrir sur la tonique de ma gamme. Préparez-vous, nous allons jouer l'exercice ensemble. Je mets un métronome à 60 BPM. Répétition numéro 1. 1, 2, 3, 4 et... Un, deux, trois, quatre et... En complique pour la troisième répétition, préparez-vous bien et concentrez-vous bien. Un, deux, trois, quatre et... Êtes-vous bien tombé sur le clic du temps 1 de la mesure numéro 2? Si la réponse est oui, alors on avance. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas trop sûr, ou c'est presque oui mais c'est pas complètement oui, à ce moment-là c'est perdu et vous revenez au début des répétitions. Sinon, on se retrouve dans l'exercice numéro 7. 1, 2, 3, 4 et... Ce plan démarre avec un mouvement typique du jeu blues. Nous allons bien exécuter notre bend avec l'annulaire. Ensuite, nous allons, avec notre index, faire un petit roulement pour enchaîner correctement les deux 5. Je fais mon maximum pour détacher les trois notes, il ne faut pas qu'elles se superposent. Je vais ensuite faire un léger bend de un demi-ton sur mon 8, ce qui fait également partie des trois blue notes que l'on retrouve dans le jeu blues. Voici la première mesure si j'enchaîne le tout. Pour la seconde mesure, je vais modifier ma gamme pentatonique mineure. Au lieu de jouer ces notes, je vais jouer ces notes. L'explication est un peu complexe, mais pour faire simple, je vais remplacer la septième mineure de la pentatonique mineure par une sixte majeure. C'est ce qui me permet de créer deux choses. Tout d'abord, je vais créer une couleur nouvelle qui croise la pentatonique mineure, mais également la pentatonique majeure. Deuxièmement, je vais contenir dans ma gamme un triton.
Il s'agit là d'un intervalle qui donne un caractère fort à cette gamme, dont la couleur s'associe au blues pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas plus loin dans les explications, encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vivement à découvrir mon programme Blues en Liberté. Revenons-en à la deuxième mesure, sur le temps 3, j'ai mon 8 avec un léger bend, vous l'avez compris, c'est une blue note qui atterrit sur ma tonique. Voici la deuxième mesure en entier en comptant, 3... 4 et 1 et 2 et 3 et 4. C'est parti pour notre première répétition. 3, 4 et... Attaquons maintenant notre deuxième répétition. 1, 2, 3, 4. Maintenant, concentrez-vous bien, nous allons attaquer notre troisième répétition. 2, 3, 4. Ok, est-ce que vous êtes bien tombé sur le temps 3 de la mesure 2 sur le clic du métronome? Vous connaissez encore une fois la chanson, si c'est ok, on avance. Si vous avez un doute, vous revenez en arrière. 1, 2, 3, 4. Dans ce nouvel exercice, nous reprenons les différents éléments vus dans les précédents exercices et nous rajoutons encore une nouvelle blue note. Il s'agit du 7 de la corde de Sol. Sur les deux premiers temps, je commence mon plan avec un pull-off qui enchaîne sur un bend de 2, 1 ton. Et je refais un mouvement quasi similaire entre le 3 et le 4 qui va faire sonner la blue note. 3 et 4. Dans la deuxième mesure, nous jouons simplement les notes de la gamme pentatonique mineure. Les notes s'enchaînent en croche jusqu'au 7 qui est la tonique. Et nous clôturons le plan avec un rebond sur la tonique à l'octave. Cela donne un côté très conclusif au plan. J'attire votre attention sur le plan rythmique. Nous avons un pattern qui se répète. Deux croches suivies d'une noire à chaque fois. Cette récurrence rythmique donne une forme de logique que l'oreille va apprécier. 3, 4 et 1 et 2... 3 et 4, 1 et 2. Attaquons nos répétitions. Je mets le métronome à 60 battements par minute. Répétition numéro 1, 2, 3, 4 et... Répétition numéro 2, je laisse passer une mesure. 1, 2, 3... 4 et 1 et 2. Troisième répétition, on se prépare. On se concentre bien. 2, 3, 4 et... Ok, êtes-vous tombé pile poil sur le temps numéro 2? Si la réponse est oui, on avance. Sinon, vous connaissez la chanson. 1, 2, 3, 4 et... Voici notre dernier exercice qui va intégrer plusieurs choses. Ce plan sera particulièrement coloré puisqu'il contient deux blue notes. Et il intègre également des triolets de croche que l'on exécute avec un slide suivi d'un hammer. Toute la première mesure est jouée en croche. 1 et 2 et 3 et 4.
Pour la seconde mesure, nous allons bien être attentifs au placement rythmique et aux notes jouées en slide et hammer-on. Il est très important que l'on arrive à distinguer chaque note. Nous terminerons le plan non pas avec une tonique, mais avec une blue note, ce qui crée une ouverture pour une éventuelle suite. Faisons nos 3 répétitions. Je mets le métronome à 60 battements par minute. Répétition numéro 1, on se prépare. 1, 2, 3, 4. Répétition numéro 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Préparez-vous pour notre dernière répétition. 1, 2, 3, 4. Ok, êtes-vous bien tombé sur le clic du métronome du troisième temps? Si la réponse est oui, eh bien écoutez, toutes mes félicitations, c'est que vous avez fait du très très bon travail. J'espère que cette succession d'exercices particulièrement adaptés aux débutants vous aura permis d'avancer dans votre jeu. Pour ceux qui souhaitent aller plus vite, plus loin avec moi, n'oubliez pas que mon programme Blues en Liberté, qui contient tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu et l'improvisation blues et qui vous guidera pas à pas à chaque étape de votre apprentissage, est à votre disposition dans la description. Si vous désirez faire un gros point sur la théorie du guitariste, je vous invite vivement à découvrir la vidéo qui s'affiche à l'écran. À tout de suite.